Bonjour à tous les Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Je vais effectuer ici votre guidance pour le mois de mars. Donc, je continue toujours avec mon oracle Béline. Simplement, j'ai voulu changer car en février, je trouvais que je ne parlais pas assez de la vie sentimentale ainsi que la vie professionnelle. Donc, on continue toujours plus ou moins dans le même système, la tendance du mois. Et ici, on va parler de la vie affective, de la vie professionnelle. J'ai toujours le conseil, la synthèse du mois, ainsi qu'une carte du chakra qui sera en harmonie. Et en fin de tirage, un petit message des anges. Alors, pour vous les Gémeaux, on va commencer tout de suite ici. Je ressens que pour beaucoup de Gémeaux, il y aura un mois de mars où vous serez dans une transformation. Là, on veut une évolution. Parce que peut-être qu'il y a eu une période de lassitude, ou peut-être une période de fragilité hein, sur l'équilibre, où il y a eu de la fatigue aussi. Bon, avec Saturne, c'est une planète quand même qui est assez lente. Donc là, ici, je sens que pour les Gémeaux, beaucoup de Gémeaux, il y aura une transformation. Parce que avec les énergies que j'ai ici, en tout cas au niveau sentimental, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, en tout cas ici, pour les célibataires, si vous êtes en quête de rencontre, il y a ici pour moi une libération de certaines relations affectives. Vous allez laisser place à une nouvelle vie ici. Donc, ça peut aussi parler d'un coup de foudre, d'une rencontre par hasard. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour le courant du mois de mars, pour les Gémeaux, en tout cas pour les célibataires, bien sûr, qui va arriver et qu'on ne s'y attendait pas, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est le destin. Donc, ça indique aussi pour les couples que là, vous êtes liés. Donc, au niveau des personnes qui sont déjà en couple, voilà, vous êtes liés, c'est votre. Voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre avec ces deux cartes-ci, hein. Mais pour les célibataires, c'est vraiment une rencontre. Là, c'est sûr. Voilà. Peut-être aussi pour les personnes qui n'auront pas de rencontre, il y aura vraiment. On va faire un tri et on va vraiment faire place à une nouvelle vie avec la fatalité qui est quand même l'imprévu. Hein, on va trancher, on va couper, c'est la fin d'un cycle ici. Hein. Donc pour moi, c'est positif ici. Hein. Pour le mois de mars, hein, le soleil arrive. Hein. Donc on espère quand même pouvoir un peu bouger, être un peu plus à l'extérieur et pas être enfermé à sa maison. Donc là, je ressens vraiment déjà pour beaucoup de signes qu'il y a, en tout cas, ça bouge. Alors, pour le professionnel ici, avec ces deux cartes-ci, donc. Feu et la sagesse, donc Mars et Jupiter. Bon, vous avez quand même deux cartes de Jupiter qui est quand même la planète de l'optimisme, de la réussite et du succès. Vous les avez tous les deux dans l'affectif et le professionnel. Hein. Ici, il y a vraiment, ça va me parler d'une période de changement. Hein. Ça va être une période de changement qui sera très favorable à l'évolution. Il y a une motivation. On va prendre des initiatives ici. On sera endurant. C'est vraiment la flamme qui brûle en vous, avec gouverné par Mars. En plus, pour le mois de mars, la planète Mars est vraiment au top pour vous. Donc, vous serez dans une énergie vraiment en action dans le courant du printemps. Il y a juste Mercure et Vénus. Faire attention à votre sensibilité, mais sinon, à part ça, je sens quand même ici, au niveau de la vie professionnelle, que vous allez être très lucide dans votre façon de réfléchir. C'est vraiment l'intellect ici, hein. Il y aura peut-être aussi, pour certaines personnes qui sont en quête de recherche d'emploi, peut-être des formations aussi ici. On sera, dans l'apprentissage. Mais on aura confiance dans ce qu'on va entreprendre ici au niveau professionnel. Même s'il y a des formations à faire, on sera ambitieux, on sera dans l'action. Donc ici, pour moi, vraiment, vous allez défendre vos intérêts professionnels.
et vous allez vous servir de vos expériences avec maturité. Donc, que ce soit vraiment l'un comme l'autre, si vous êtes sans emploi, pour moi, il y a cette formation qui arrive et ça va vous mettre vraiment dans un état où vous serez combatif pour y arriver. Et en conseil, là, avec la carte de la famille, ici pour vous, ça va me parler de partage. Donc, ayez confiance, gardez cet équilibre de protection de vos racines. Intégrez-vous tel que vous êtes dans un groupe aussi, dans votre famille, dans le boulot. Là, c'est vraiment ici, en conseil, voilà, c'est le partage, c'est la famille. Donc, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, il y a quand même une grande protection ici, hein, pour vous, pour le mois de mars. Et en synthèse, avec la carte de la découverte, donc qui est gouvernée par la Lune, ici, ça va parler d'opportunités, hein, pour le courant du mois de mars. D'espoir, de partage, de communication aussi. On sera dans l'échange. Donc, on va ouvrir la voie du savoir et de sa connaissance et de l'expérience. Ici, pour moi, ça va parler d'éveil. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et vraiment, avec ici, cette transformation et ce tirage ici, qui est quand même très intéressant, cette découverte, tous ces espoirs, c'est parce que vous allez être dans une transformation personnelle, dans une élévation, peut-être aussi spirituelle, où vous voulez changer les choses. Et comme ici, avec cette synthèse, s'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, vous serez déjà préparé à ça. Parce que vous êtes déjà dans une période d'évolution. Donc, je vous souhaite, hein, tous les célibataires, de faire cette rencontre et avec avec ce conseil-là, gardez vos racines, soyez vous-même, restez protecteur et ayez confiance. Parce que dans l'oracle des chakras, vous avez votre chakra sacré qui sera en harmonie. Avec la carte des plaisirs, vous aurez envie d'accentuer votre beauté, votre sensualité. C'est quand même le chakra sacré, c'est quand même la base de nos émotions. Une fois qu'il est en harmonie, on est à l'aise avec son corps, on est naturel face aux autres. Donc il y a vraiment une belle énergie ici pour vous pour le mois de mars. Vous avez un caractère agréable, vous serez calme, gentil. Donc, il y a une vision positive aussi de l'existence. C'est vraiment une ouverture. On va se fixer aussi peut-être des limites, hein, en termes de plaisir. On sera s'arrêter au bon moment. Mais là, gouverner comme ça toutes ces cartes pour le mois de mars, je sens quand même pas mal de mouvements. Hein. De mouvements, surtout avec la découverte, vous allez avoir... des échanges, soit professionnels, des rencontres vis-à-vis de votre vie affective, hein. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. De nouveau, encore vous, les Gémeaux, votre année, tous les signes d'air, en tout cas, seront en tout cas sous de bons auspices planétaires. Donc, profitez de l'année 2021, même si pour le moment, c'est pas évident. On va arriver au beau jour ici et je sens quand même qu'il y a de nouveau dans mes tirages de belles perspectives, hein, pour l'avenir ici. Hein. Allez, je vais demander un petit message des anges. Celle-là, elle est tombée. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars, quel est le message pour les Gémeaux, pour le mois de mars? Allez, on va regarder ça.
L'acceptation. Et la carte qui a sauté, c'est donner et recevoir. Je vais vous lire le petit message. Donc, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ça va parler d'avoir une belle balance entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et ici, avec l'acceptation, c'est voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je vais regarder le petit message complémentaire de cette carte. Alors, vous avez reçu cette carte pour améliorer vos relations aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre soient joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort, au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ben, ici, la construction, vous l'êtes déjà, hein. Dans le courant du mois de mars, cette élévation-là, cette transformation, ça parle bien de ce petit message ici des anges, hein, pour vous les Gémeaux. Donc écoutez, voilà, honnêtement, je vous souhaite un très très beau mois de mars, belle énergie, la sagesse, la maturité, l'amour, voilà, la famille, c'est le principal, hein. Donc, je vous le souhaite à tous les Gémeaux et je vous dis donc à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.